Bonjour les poissons, pour votre guidance pour le mois d'octobre, je vais commencer avec nouvel oracle, nouvel été là. Il est génial. Nouvel été là. Voilà. Et on va tirer les cartes. Cette carte, je vais voir ce qu'elles nous disent pour le mois d'octobre pour les poissons. S'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois d'octobre. On va prendre cette carte pour les poissons. Alors, on y va. Ah, il manque une. Quand même. Ah, les poissons. Ah, vous voyez, les 6. Voilà. On est au complet. On y va. La première carte. Le bouquet. Générosité. Vous allez attendre une surprise, une aide. On vous offre une opportunité. Quelque chose, ben, en fait, si ça sera inattendu, quelqu'un ou un groupe de personnes ou votre employeur ou la société, on va vous aider au mois d'octobre. On va voir de quoi il s'agit. Mais là, il y a besoin, ou c'est vous aussi, besoin aussi d'apporter votre aide à quelqu'un ou à une situation. On verra. Non, attendez. Les racines, hérédité. Ben voilà, hein, ça parle de la famille. Peut-être vous apportez votre aide, ou c'est dans l'autre sens, hein, dans le cercle familial. C'est aussi une aide par rapport à un héritage. Un déblocage par rapport à un héritage. Est-ce que aussi par rapport à quelqu'un dans votre entourage qui a besoin aussi d'aide au niveau médical, ça peut aussi, l'aide, ça vient pour un aidant, hein, être là à ses côtés. On parle les chemins, hésitation. Soit vous allez, ouais, par rapport à cette offre d'aide, vous hésitez. Ou c'est vous, ou c'est la personne aussi qui hésite entre deux possibilités, deux choix. Il y a deux choix. Donc les chemins se croisent et vous arrivez à un point où vous ne savez pas quelle décision prendre. Par rapport à cette aide, hein, on est toujours dans... peut-être pour l'héritage, quelle part à donner peut-être aussi, ou quelle part à recevoir, quelle maison, ou, voilà, il y a une décision à prendre par rapport à la famille, et plutôt moi je vois aussi pour certains poissons, ça parle de l'héritage. Là, ça se débloque. Le trèfle. Vous voyez la chance. Le mois d'octobre, c'est un signe de chance pour vous. On voit qu'il y a de l'aide. On vous offre la possibilité aussi de choisir, de changer un événement de votre vie. Et qui va peut-être concerner votre famille aussi, ce changement. Le chevalier. Protection, excellent. Est-ce que ça parle d'un avocat peut-être? Ça représente un avocat, un juge, ou quelqu'un qui veut vous offrir cet appui. Il se peut que ça concerne cette personne-là, qui vous protège, qui va vous guider aussi dans vos choix.
Il y a une certaine sécurité aussi recherchée, là, au mois d'octobre. Vous avez besoin aussi de sécuriser votre choix. Par là aussi de sécurité, de soit si ça vient de vous ou de la personne, ou d'un frère ou d'une sœur ou d'un parent. Au niveau famille, il se peut que ça vient de votre famille. Là, on parle de la chouette. Hein. Intelligence. Ben là, il y a de la réflexion. C'est dans la tête, c'est pas l'intuition. Ça va être dans la réflexion. La décision viendra plus dans la réflexion. À faire une liste des points positifs, des points négatifs pour faire le choix. Donc faire travailler ses méninges pour choisir, pour sécuriser quelque chose. On voit, il y a la chance, il y a le côté chance, mais aussi il faut faire travailler son cerveau pour avancer, pour faire ce choix-là. Dans la sécuriser, aussi sécuriser peut-être sécuriser son patrimoine, hein, il se peut aussi. Hein. La dernière, les anneaux, fusion, excellent. Là, il y a une alliance, il y a un contrat, une solidarité aussi avec cette personne, hein, ou suite avec la sécurité que vous allez recevoir avec le don, hein, il se peut un don de la famille, un don des parents, pour fêter, pour encourager le mariage, peut-être aussi l'alliance avec quelqu'un. C'est une aide de ces personnes-là, mais ça concerne plutôt la famille. Hein. Bon, on parle d'une union, d'un accord, soit avec une personne du sexe opposé, soit vraiment avec ces personnes de la famille. Vous arrivez à trouver un terrain d'entente pour conclure une alliance, un accord. C'est dans le bon sens, hein, parce que là, il n'y a que des cartes positives pour vous, hein, mes chers poissons. On va voir avec le travail, avec l'oracle des miroirs, ce qu'on aura comme notre message pour la vie professionnelle. Alors, la chouette, c'est que vous serez vigilant, ou on vous demande d'être vigilant, d'accord? Parce que là, à un certain moment, peut-être vous allez hésiter, mais sachez que vous êtes protégé, hein, aussi. Mais voilà, focus sur votre objectif. Sur le monde du travail pour les poissons. Une très belle carte, hein, pour vous. Le tirage, il est sympa. Oh, miroir magnétique. Bah, alors, n'ayez pas peur. Vous avez la chance, vous avez le miroir magnétique. Allez-y. Allez-y dans ce que vous voulez réaliser. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que là, vous aurez la chance d'une belle occasion qui va s'offrir, hein, puisqu'on parle Oh, la famille. Est-ce que ça parle aussi travailler avec la famille, avec un parent, avec un frère ou soeur, ou votre ou avec les enfants, hein? Voilà, c'est un travail qui a un lien avec la famille, hein. Et enfermement. Faites attention à ne pas aussi de vous isoler de niveau social. Un ressenti d'isolement aussi au niveau professionnel, au niveau activité, quelle que soit votre activité. Mais très belle carte. Très beau tirage pour vous, les poissons.
quand tu l'avais pour les relations amoureuses, sociales, les relations, ce qui est autour de vous, avec les 77 taliesqués pour les poissons. Hop. On voit. Et la troisième carte. J'en ai deux, je les garde. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Des pensées. On pense à quelqu'un, nostalgie, on pense à quelqu'un, on pense à vous, et il y aura des discussions, des échanges avec cette personne ou avec ces personnes-là, de face à face, hein, c'est plutôt pas au téléphone, mais il y aura du face à face, et on pas. Oh, ça revient, vous voyez, le renard, le loup, l'intelligence, la réflexion, et réfléchir. On réfléchit à faire un voyage, un déplacement, hein, il y a de la réflexion pour partir quelque part avec cette personne, ou en discuter aussi autour de ce projet là. En octobre, ça va être peut-être une discussion par rapport à un déménagement, il se peut aussi. Bon, il y a un départ, envie, soit l'envie ou une projection, et ça va être des discussions autour de ce projet. Voilà les poissons, et on finit enfin avec divination des temps anciens pour les poissons. Qu'est-ce qu'il est votre message pour le mois d'octobre? Le message pour le mois d'octobre. Ah, ok. Bâton de sourcier. Bâton de sourcier, ça va vous inviter, je pense, à voir. Attendez, je vais. De sourcier. Alors, je rapproche la carte. Très belle carte aussi. Hein. Les bâtons de sourcier, vous en trouvez pour vous annoncer que votre recherche est presque terminée. Vous avez passé beaucoup de temps à chercher au mauvais endroit. Il est temps de ressentir les choses avec votre cœur. Alors que, bon. En utilisant les éléments naturels comme guide. En agissant ainsi, vous irez dans la bonne direction. Alors que moi, je vous ai dit intelligence, c'est les deux. Hein, c'est les deux, le cœur et la tête aussi, hein, le cerveau, la réflexion. Il faut analyser aussi les choses. Hein. Suivez votre destin en ayant conscience des signes dans le flot d'eau sous vos pieds, dans les profondeurs de la terre. Ne vous attachez pas au chemin des autres. Car ceci risquerait de vous amener vers des terres arides. Donc, soyez dans... Ah, c'est ça, le chemin. Vous voyez? Là, c'est un message pour vous. Exactement. Je pense que là, ne prenez pas le chemin parce qu'on vous le propose. Il y en a deux. Que on... vous suivez... Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein. Ne vous attachez pas au chemin des autres, d'accord? Donc suivez votre chemin, car ceci risquerait de vous amener à vos terres arides. Vous cherchez votre chemin et les autres cherchent le leur, chacun son chemin. La nature va vous servir de guide. Partez à sa rencontre, recherchez les mares, les courants et les rivières, trouvez ce dont vous avez besoin dans leurs reflets. Excellent. Vous avez la chance, vous avez vraiment le guide, le protecteur, un guide protecteur. Peut-être c'est ce guide-là, c'est le chevalier, c'est votre guide aussi qui va vous mener vers votre chemin, là où vous devrez y être. Voilà les poissons, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.